Eh bien, salut à tous, c'est Thibaut ou Glitcher, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau glitch sur GTA V Online. Donc pour modder votre panto, donc non, ce n'est pas une connerie, je suis fier encore d'avoir trouvé comment modder votre panto en n'importe quoi. Donc voilà, hein, vous aurez le coffre plus le toit modé. Donc c'est parti, pour commencer ce glitch, vous devrez vous rendre au LS Custom. Et voilà, donc une fois que vous êtes dans le LS Custom, vous allez directement vous rendre dans la section toit. Et vous allez faire la même méthode que moi, donc vous allez acheter Ion et toit à stickers. Donc vous prenez, vous achetez le dernier. Et vous faites la même méthode que pour modder votre atloader. Vous allez en fait mettre votre premier pouce sur la flèche du bas, votre deuxième pouce de votre main droite ou gauche, comme vous voulez, sur la flèche du haut. Et là, vous allez faire deux toits de série à Ion et toits à stickers. Et faudra avoir un peu de chance pour réapparaître sur tout simplement toit de série pour que le toit disparaisse entre guillemets. Donc après vous pouvez le disparaître avec toit en carbone et tout, mais vous n'aurez pas un truc glitché. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, vous aurez pas ce que moi j'ai trouvé. Donc vous allez faire de Ion et à toit stickers, hop là. Donc voilà, hop là. Vous devrez vraiment avoir beaucoup de chance. C'est très délicat. Donc c'est très long, je l'avoue. Faut vraiment avoir de la chance. Et voilà. Et une fois que vous êtes arrivé sur toit de série, vous allez le sélectionner et vous aurez votre toit invisible plus l'arrière du coffre. Donc voilà. Et c'est vraiment stylé hein, cette panto modée. Donc voilà. Et je répète, pour ceux qui sont sur old gen, je vous mettrai une vidéo dans la description pour modder votre panto en 1.26 ou en 1.27. C'est rien qui change. Et vous verrez, c'est sur old gen, c'est pratiquement mieux parce que vous pouvez modder le pare-choc avant et le pare-choc arrière plus que je vous ai montré. Voilà, et en tout cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à lâcher un petit com si cela vous a fait plaisir. Donc on se donne rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me poser des questions, j'y vous répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis ciao, ciao.